3, 2, 1, clic. Survivor. Allez, c'est parti. On est motivé. On va buter du zombard. Je dis ça, mais peut-être que je vais encore foirer ma run et que je vais. Oh, tu m'as l'air familier, mais je ne sais pas qui tu es. Car que tu serais le méchant de l'histoire? Ah, telle est la question. Vous fiez pas au segment que vous voyez, c'est. Allez. C'est du bullshit, hein. Fais pas au segment. C'est n'importe quoi. Ne vous y fiez pas. Pourquoi je passe sur la gauche? Je ne sais pas, mais tout va bien. Oui, m'a perdu. Calmez-vous, bande de zombies. Ah, excusez-moi, j'ai pas mis le son. Ah bah si je mets pas le son aussi, ça va pas le faire. Comment tu veux que ça passe bien si je mets pas le son? Comment tu veux que j'enregistre cette run si j'ai pas le son du jeu? Merde, mais... What? Dégage-le. Mais va-t'en! Oh, pas vrai. Oh, famé ces zombies, hein. Pas aussi. Hein. Parce que j'ai pas réussi à passer la porte au bon moment. Ah zut. Calmez-vous les chiens. Dites-vous c'est la faute d'Alexis, voilà. Elle va me dire, mais qu'est-ce que j'ai à foutre là-dedans, Raka? Qu'est-ce que j'ai, Raka? Oh. Oh, bah, c'est loin. Des os, pas des os. Des os, pas des os, dude. Remember your mission. We're doing a clean sweep of the area. Everyone and everything must be cleansed. Now move out! Ah, de râler, dude. What's that? Allez. Ah, mais. Ah. Si je cible pas la porte, si je trouve pas le. Je touche pas la hitbox de la chose. Merde. Si je touche pas la hitbox de la porte. Je peux le faire. Il y a des gens qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je l'ai dit très rapide.
Putain, mais cassez-vous! Non, mais sérieux! Mais cassez-vous! Mais c'est pareil! Putain! Ils sont pires que les hunters! Cassez-vous! Oh le bâtard! C'est en train de me foutre des dégâts dans la gueule! Non, non, les hunters, c'est les pires! Hein. C'est les pires, comme dirait Mixen! C'est les pires! Les pires! Ah, ça fait moins mal là! Le Hunter, c'est du chiant. Le Hunter en mode puissance dégueulasse. Les japonais, les japonais. Un jeu japonais fait par les japonais. Demain dernier jour complet que je passe chez moi. Ah oui. Bah écoute. En espérant qu'il fasse beau, que tu puisses profiter de ton week-end. Le week-end. Le week-end va se passer au boulot. Quelle idée de voyager toi aussi là. Ah putain, ils sont 4. Eh ok. Bon heureux. Espérons que ça influence la RNG plus tard. Oui, moi aussi, j'ai pas payé mes impôts. Mais prends là la clé. Cette gestion du hitbox dégueulasse. C'est horrible. Oh, vous allez vous calmer là. Ok. Dégage. Bien sûr. Oh, cette esquive. Je sais pas comment mon personnage y fait pour passer à travers les zombies. Tout va bien. Lui bien. Trop près. T'es trop près. T'es trop près. Calme-toi. Et mon joystick qui appuie sur le. Et puis sur le bureau quoi. Cette technique. Tout est technique doigté. Tout en doigté. C'est ce que je dis souvent à ma femme. Tout en doigté. Tout en finesse aussi. Ouais, c'est pas là. Non, je vais pas chercher le fusil à pompe. Mais putain, mais cassez-vous, putain, clébard! Si les voisins m'entendent, mais qu'est-ce qui insulte ces ordres? Qu'est-ce qui insulte les chiens, lui? Il est fou, on n'a pas de chien. Il est fou ce garçon, hein. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Jésus? Ouais, je pense que vous en foutez un petit peu de Jésus. J'ai dit Jésus, je me ferai démonétiser sur YouTube. Ah, elle a dit Jésus, ah, gna gna gna. Putain, mais allez vous faire
voir chez les Grecs. Voilà. Allez voir chez les Grecs, si je suis. J'espère qu'il n'y a pas le Hunter. 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 S'il vous plaît. Merde. Raka, quoi, ta gueule! Des fois, tu devrais mieux la fermer. Parce que le karma, il va t'apprendre que mon gars, que t'as rien à... Des fois, tu devrais mieux la fermer. On va prendre ça déjà. Tant pis, ça fait un retour. Je vais en avoir besoin. Je perds 4 secondes, 4-5 secondes, mais c'est pas grave. Oh vos gueules, faites pas chier. Oh, ils vont être là quand je vais revenir, hein, ça m'énerve. S'il vous plaît. Respectez mon autorité. Non, allez. Hey! Hello! Can you hey, hear me? Me. Who are you? You? What are you doing? Answer me! Qui êtes-vous? Je suis Franck Dubasque, je suis un good acteur. Acteur studio. Mais je m'en fous de ton bureau. Ah oh, putain, mais va sucer des fraises, toi, sérieusement. Sérieusement, les hunters devraient se barrer, quoi, ici. On n'a pas besoin d'eux. Putain, mais cassez-vous. Avec cela, ouais. Mais cassez-vous, bordel de merde! Ah. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oh, c'est pas le moment, vous, hein. Toi, j'aurais. Regarde ta frustration. Reste dans ta frustration, reste dans ta jalousie. Qu'est-ce que je fais moi? Ah putain, c'est dans le bon sens, ce serait bien. Pas mourir sans bloquer le passage. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, chiant ces mecs. Faut pas que je meure. 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 Ok, je me. Mais putain de clébard de merde. Mais cassez-vous. C'est pas vrai. Non mais putain, ils ont pris exemple sur le Hunter ou quoi? Ah, on sait pas quoi faire, on va faire chier le joueur. J'aurais pas avoir besoin de. Ouais. Non, j'aurais pas en avoir besoin sur les ennemis, donc. Ah.
On va se garder de côté. On va te faire niquer. Mais tu m'énerves! Non mais voilà, vous demandez. On peut rien faire là, c'est. C'est de l'acharnement thérapeutique là. Oui, monsieur, acharnement thérapeutique. Oh, tant pis, c'est pas grave. Mais. Putain, mais pas dans ton trou. Les hitbox de merde, je vous dis. Tant pis, ça fait perdre du temps, mais là, je peux pas faire autrement. Là, vu ce que les hunters me mettent à chaque fois, je peux pas faire autrement que de prendre du. D'huile. Malheureusement, il n'y a pas de fleurs rouges dans les parages. Donc, je suis pas serein. J'aurais dû prendre une plante rouge. La plante rouge contre le avant d'aller au tyran. Ah, je suis pas serein quoi hein, dans les esquives. Hein. Moi, je suis pas censé récupérer des trucs à droite et à gauche et tout ça. Mais bon, à chaque fois, je tombe sur des runs où je me tape des hunters quoi. Ça, bon, et à un moment donné, il faut se poser des questions. Des hunters avec les 12 quoi. Je veux bien être matinal, mais j'ai mal. Hein. Oh, c'est pas le moment, hein. Attends, toi. Est-ce qu'on peut appeler acharnement thérapeutique des soins réalisés par une créature fait par une société de pharmacologie? Une société pharmaceutique. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Vous avez 3 heures. Fasse pas chier. C'est bon. En fait, il faudrait que je les invite à m'attaquer. Comme ça, ils restent bloqués dans leur animation. Et pendant ce temps-là, je peux les contourner. Mais ça, c'est difficile à gérer. À mindfuck les hunters comme ça. C'est visé. Je vous dis, c'est compliqué. Pas sur un truc Instagram, c'est compliqué. Mon père me trompe avec sa sœur, quoi. C'est compliqué. Bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Et là, Alexis fait quoi? C'est là où tu es censé dire, mais qu'est-ce qui se passe, Raka? Mais qu'est-ce qui se raconte, Raka? T'es fou, Raka? Et le chat, toi aussi, t'es fou. Quelque chose à récupérer? Non, y'a rien. Allez. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Ah voilà, il y a 3 viewers maintenant. Ça va? 3 viewers sur les 6. Ah là, c'est parce que je parle pas anglais. Triste, non? Non? Je vais prendre ça en route. Pas grave. Faire 3 secondes. Allez, les mecs s'attendaient à du speedrun. Ils se disent, ah mais c'est qui ce newbie? C'est pas speedrun. Que nini, c'est dégueulasse. Alors restez faire des roulades si vous voulez. Me poussez pas trop. Putain il me pousse hein, c'est con. Ça va être interdit ça, les ennemis qui courent aussi vite que toi. Tirez-vous dessus, je sais pas. Merci Wizbot. Non,
Les ennemis buggés, vous croyez? Aidez-moi, ce son qui a bugué là. Le mec il tire dessus. Genre il se déplace en tirant pendant 3 heures quoi. Oh le chat, arrête de miauler s'il te plaît. Les gens n'ont pas besoin de t'entendre à 1h du matin. À minuit quoi. Bon, 1h du matin, minuit, peu importe. Il est 1h du matin. En Italie. Pirate, tu te calmes, je suis occupé là. Je suis content que tu sois rentré, c'est bien, mais je suis occupé, je suis en train de jouer. Voilà, comment les mindfuck, c'est passé sous le porche. C'est la technique que j'ai bien compris que c'était efficace. À ce moment-là. On va gâcher un truc, mais voilà. On va récupérer le magnum et partir. Sans dégâts, no damage, cool. On a gaspillé une grenade, mais bon, ça valait le coup ce coup-là. De pouvoir en dessouder un au moins sur les 3. Ah, ça me chatouille le nez. En fait, plus je stresse, plus ça me chatouille le nez. Je suis mal foutu, hein, je crois. Et je vous dis que je suis un peu plus sans... Oh putain, mais qu'est-ce qui tombe sur moi ce con? Le liqueur, ce qu'il a pas compris, il fallait pas tomber sur moi. En fait, je suis en mode easy, mais des fois je me pose la question si je suis vraiment en mode easy. Putain, mais casse-toi! Et regardez, il meurt devant moi ce con. Mais va mourir sérieusement. Putain de RNG de merde. Ah mais sérieusement la RNG m'en veut là. Sérieusement le jeu il s'est dit toi tu vas trop vite. Finalement tu vas trop vite. Je veux pas que t'ailles trop vite. C'est quoi ces joueurs qui profitent pas du jeu? Profitez du jeu bordel. On veut que vous profitiez du jeu. Alors vous allez profiter du jeu. Ok, amusez-vous. Regardez-moi ça! Il me tombe dessus encore une fois, mais sérieusement? C'est pas le moment. C'est pas le moment. Arrêtez de rallier, c'est pas le moment. Tu râles pas, mais les zombies le font pour toi. Mais quoi? Mais putain, mais l'autre il tombe sur. Il tombe. Et comment? Les mecs ils font des plaquages pour m'empêcher de passer. Je te jure, le jeu. Le jeu qui veut pas que j'avance. Ils me font des plaquages pour m'empêcher de passer. C'est dégueulasse. Salaud. Salaud zombie. Allez mourir. Allez, mange vos morts. Va manger tes morts, toi. Il est déjà mort, tu vas me dire. Va manger. Allez, manger vos grands morts. Ah ah. Oui, je sais. Le jeu, c'est plus heureux
RE, mais rugby, c'est ça, c'est rugby simulateur. Les zombies, c'est surfait. On joue à rugby simulateur. Faut que je réalise un PB là. Sur la vie de mamie, faut que je réalise un PB. Laisse mamie tranquille. Arika, laisse mamie tranquille, salaud. Fendu. Est-ce que tu veux une plante bleue? Non merci. Oh c'est pas grave, je l'avais proposé. On prend. Oui, dans ta bouche. Ah merde. Alors. Merde. Oh putain, mais arrête de me foutre des droites. Putain, mais quel con. Quelle perte de temps. Tout ça parce que j'ai échoué le premier tir. Ah. Ah, c'est de la perte de temps là, j'ai perdu 10, j'ai perdu 30 secondes de setup. Donc là. Depuis le début, franchement, depuis le début de la partie, j'ai dû perdre facilement une minute de setup. Ah. I'm Help me, please. Je vais tomber. Je suis un acteur studio, je vais tomber. Au secours. Je veux des BD. On s'en fout. Laisse mourir. Oh pas le coup. Un sale gosse. T'as qu'à mourir. Oui, toi aussi. Voilà, ça c'est fait. Lot, I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Non, je ne t'oublierai pas. Jamais. It's not your fault. Vincent's the one who caused everything. Well, I mean, I... You? Mais c'est pas Vincent, bordel de merde. You're the detective. Your name is Art Thompson. What? Really? I'm not Vincent. Then why did you run away from me? Because I'm the one that told Vincent about you. Hello, I'm Vincent. I've been transferred to this facility to inspect it. Nice to meet you, sir. I know Commander Vincent. So I knew that you were you him a good boy, Lot. What? A spy. You are a good boy, Lot. Thank you. You are a good boy, Lot. So then the self-destruction system has been activated. This island will self-destruct. Dans 10 minutes, il n'y a plus d'île. C'est le drama. Repeat. All the personnel evacuate immediately.
t'es con. Alors. Alors, toi, on te combine avec ça. Et voilà. Le setup de la mort. Non, prends plein ta bouche. That's right. At the request of my friend Leon S. Kennedy, I came here to investigate. Les Japonais ils marquent bien le S. Oh, yes. En lettres. Leon S. Kennedy. Il marque bien le S. Kennedy, mais pas le. Il n'existe pas le S en. Tell me the truth. You are a spy. En écriture japonaise, donc forcément il faut le faire en manuscrit. En version occidentale. Oh mon dieu. Le mec s'est fait voler sa plaque militaire, mais d'une force. Tu sais, quand on était. Quand on avait regardé, c'était Resident Evil Vendetta. Où il y avait un ennemi qui était pas vraiment un ennemi, on espérait tous que ce soit Ark, parce qu'il ressemblait vachement à Ark Thompson. Et finalement. Nope, c'est pas lui. Démerdez-vous, c'est pas lui. Oh bah t'es... C'est con hein. J'ai pas assez... C'est là, on sait pas où bien se mettre par rapport au hitbox. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai pris mon... J'ai pris le lance-grenade. Pour ceux qui n'étaient pas là sur la première run. C'est la technique suprême pour se débarrasser du tyran en quelques secondes. Non, j'ai pas foncé dans les plantes, pas du tout. A spy. Gentil Hypnos. Gentil. À l'époque où je joue aussi à la PlayStation 1 avec les graphismes là. Je jouais à un jeu qui s'appelait Raker en Stress, non pas du tout. Là je suis sûr que je ferais peut-être un PB. Peut-être. Mais vu que je vais sûrement mieux gérer le tyran, ça va quand même faire gagner du temps par rapport à ce que j'ai perdu. Donc on verra. Peut-être qu'il n'y aura rien de ce que je vais foirer et que voilà, j'aurai sûrement pas le karma pour. J'aurai sûrement pas le karma pour réussir un. Pour avoir le PB ou. Voilà. Mais non, ça me rappelle à l'époque où j'étais gamin, c'est. Un jeu s'appelait Space Hulk, c'est une version remasterisée d'un jeu sur Commodore et ancienne Amiga. Et en fait sur PS1. Et le truc c'est que ça avait c'était de la bouille pixel comme ça sur l'écran sur le 4 tiers, sur le ça a 36 cm de la bouille pixel. Alors là regardez, technique. Et voilà, technique de speedrunner, un tir, boum le tyran. Technique de speedrun mon gars, tu peux pas tester. Attends, tu connais les bails, tu utilises les vraies techniques, un tir, une fuite, c'est ça. En fait, le tir et le dot que ça fait au niveau du sol, fait que ça affiche assez de dégâts pour pouvoir te barrer en fait. Ah la merde, t'es con. Bon, toi c'est pas le moment de faire chier, va mourir, t'es mort. Comment ça tu pop devant moi comme ça le zombie, je t'ai rien demandé hein, casse-toi. Alors on évite de se faire tirer dessus, on évite de se faire bloquer. Putain il est mort. Ah je le sens bien là, je sens bien la défaite. Là sur le. Là je. Je suis pas viable hein. C'est sûr que j'ai pas le world record. D'après ce que je vois sur le.
Depuis ce que je vois sur ma droite, j'ai pas le world record, c'est sûr. Parce que lui, il avait fini à... Il avait mis quelques minutes de plus, mais il avait mis... il était à 33, donc il a fini son... Son combat contre Hypnos. Et moi, je suis à 35, hein, vous connaissez. Il y a sûrement des trucs qu'il faut vraiment que je me rematte ce truc, parce que... Je comprends pas comment il peut être, il peut mettre le premier, le world record peut mettre autant de temps à la mort. Cassez-vous. C'est assez frustrant en fait. D'avoir plus de... Là exactement, avec le combat contre Hypnos, je vais avoir 3 minutes, je vais avoir facilement 4 minutes à la mort. Donc ça fait, c'est assez frustrant. Et je sais pas où je pêche en fait. Est-ce que c'est les ennemis? Est-ce que c'est moi qui ai le mauvais... Je sais pas. Je sèche. Faut croire que je me rematte les... Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement me... Enregistrer ce live. Prendre la deuxième partie. Et le chat, tu arrêtes, tu commences à me pomper l'air en fait. Je vais enregistrer le live et je vais le comparer avec le... En lecture simultanée avec le... Le world record. Voir là où j'aurais pêché un peu. Bonjour. J'ai la bouche ouverte. Est-ce que vous connaissez Jésus? Non. Non, il est mort. Ce fut rapide. Je m'attendais pas à lui péter la gueule aussi vite. Hein. Non, je me heal. Hein. Je me heal dès que ça pop, je me heal. Non, c'est bon. Ah, putain, toujours trop long, toujours trop long. Toujours trop long, toujours la banane, rassurez-vous. Sa gueule en gros plan, ça fait peur. Time. Oui. Bon déjà, le time est à 38. Moi j'ai raté quelques centièmes de seconde, mais c'est le gain time qui charge du reste. Ah. En tout cas, si déjà, je suis plus serein. Vous savez pourquoi? Parce que je la sens, c'est pour moi un PB. Il me semble pour le easy mode, c'est un PB. On verra après ce qu'il en est. En l'état, c'est un PB. On verra ce qu'il en a. Et j'ai la main qui s'en sort plutôt bien. Pas trop c'est égal. Ignition. En tout cas, c'est un PB pour moi, je pense. Après si c'est ça, après c'est que je vais pas avoir le malheureusement je vais pas avoir la musique, je vais pas avoir la première partie en fait. La première partie de... Et quoi, il y a facilement 10 minutes, facilement 5 minutes de run où je suis pas... où il n'y a pas de bruit de musique, le bruit du bureau. Donc je sais pas si ça va être traité ou pas. Get down! Comme Léon, get down!
Alors, la logique voudrait que le missile déjà... le premier missile déjà explose un impact sur le terrain. Et que le deuxième missile ne soit pas tiré parce que l'hélicoptère avec le souffle de l'explosion... Vous avez quand même, c'est quand même un tyran qui a nécessité l'envoi de deux missiles dans la tronche pour mourir. Logique heureux quoi, oui c'est ça. Alors le Némésis, on va me dire, oui, il faut utiliser un laser pour l'avoir explosé la gueule. Et je veux bien, mais bon... Sa troisième forme quoi. Alors, croisons les doigts. 40 minutes mon gars, bibiche. C'est le pibi pour moi, c'est un pibi. Même s'il y a 2 minutes. Déjà, on va faire une petite impression écran. Voilà. Et c'est un petit pibi pour moi. Et ça, c'est beau.